Bonsoir à tous et bienvenue au Jeux d'hiver du Canada 2023 présenté à l'Île-du-Prince-Édouard. Ce soir, un match de hockey masculin mettant aux prises l'équipe Québec à l'équipe Manitoba. Pierre Duguay-Boudreau avec vous qui s'occupera de la description de ce match et à mes côtés, Mathieu Landry qui s'occupera de l'analyse. Mathieu, on débute avec les gardiens partants des deux côtés. Alors que les deux équipes s'amènent au cercle de mise au jeu central pour débuter cette première période de jeu. Et déjà, on s'échange certains coups de bâton à la mise au jeu. C'est le numéro 15, Owen Martin, qui envoie le bâton de Sean Carrier sur la patinoire. Et ça commence très bien ce match, Mathieu. Et on a carrément cassé son bâton. Il faut dire que l'équipe Manitoba et l'équipe Québec sont bien représentées dans la foule du côté de l'Arena McLaughlin. Et bonne période à tous. Carrier avec le disque s'amène sur la gauche dans le cercle de mise au jeu. Son tir qui rate la cible. Ce sera repris par le numéro 12, Graham Jones, le long de la bande. Renvoie dans le coin de la patinoire. Derrière le filet maintenant pour Kettles. À la droite pour Martin. Tente de faire dévier devant. Ça a été repris par Amiot qui va d'un tir qui rate la cible. De l'autre côté, maintenant Caleb Desnoyers avec la rondelle. Dans le coin de la patinoire, remet devant. Graham Jones va ressaisir pour les siens. Une passe à l'intention de Martin au centre de la patinoire. Ce dernier ne peut capter. Équipe Québec en contrôle la rondelle dans leur propre zone. Un revirement. Owen Martin maintenant qui s'amène un tir. Ça rate la cible à la gauche. Ce sera repris par Kaysen Fisher à la ligne bleue. Son tir, ce sera dévié avant de se retrouver sur le filet protecteur. Et avec 39 secondes d'écoulées, on reprendra avec une mise au jeu. Oli Chénier qui s'amène dans le cercle de mise au jeu offensif pour son équipe va se faire chasser du cercle de mise au jeu, va devoir céder sa place. Face à lui, le numéro 17, Nathan Lecomte. Mise au jeu remportée par Chénier, un tir repoussé de la pagaie du gardien. Collins tente de reprendre dans la ligne bleue, renvoie derrière le filet à l'intention de Jet Lajoie. Lajoie dans le coin de la patinoire, remet à la ligne bleue, de retour vers Collins maintenant. Collins, un tir de loin, ou plutôt renvoie contre la bande, et ça va être repris par équipe Québec sur le flanc gauche. Et on aura une punition sur la séquence. En début de match, déjà, on sera chassé, on évoluera en avantage numérique du côté du Québec. Il va falloir faire attention du côté du Manitoba, Mathieu, parce que du côté du Québec, on a des vraiment canons offensifs sur la patinoire. Desnoyers qui renvoie à la ligne bleue. Wang à sa droite, un tir qui rate la cible. Ça va être repris par le numéro 6, Ryan Gower. Perd contrôle du 10, ça va être repris par équipe Québec derrière le filet. De retour dans le cercle de mise au jeu, on s'avance vers le filet, un tir et le but! Et voilà l'avantage numérique du Québec qui ouvre la marque. C'est 1-0 avec tout un tir de la part d'Émile Guitté. Caleb Desnoyers qui remporte la mise au jeu centrale. Un long dégagement de la part d'équipe Québec. Ce sera ressaisi derrière le filet par équipe Manitoba.
Bonne pression sur l'échec avant alors que Tate Delinsky tente de se débarrasser de la pression au renvoi contre la bande. C'est repris par équipe Québec, un tir. Justin Perrault qui va saisir de la mitaine. Et la séquence qui n'ira pas plus loin. Au centre de la patinoire, on accélère, c'est Easton Audet. 7 derrière, un tir qui a été bloqué. C'est Matthew Gard qui avait tenté de déjouer la vigilance du gardien, mais le défenseur qui est intervenu. Ça va être repris par Audet. Renvoie vers Collins à la ligne bleue. Collins, un tir, ça va être dévié devant le filet. Ressaisi par équipe Québec dans le coin de la patinoire. Quelques joueurs, un jeu physique, et ça va permettre à équipe Québec d'effectuer un dégagement jusqu'à l'autre côté. La rondelle qui ira retrouver le derrière du filet de Justin Perrault pour un dégagement refusé. Justin Perrault qui évolue présentement avec les Bruins de Winnipeg. Une fiche de 16 victoires, 4 défaites pour le gardien Justin Perrault. Et heureusement, n'a pas eu à changer de casque avec cette équipe du Manitoba qui arbore les mêmes couleurs que son équipe régulière. L'action qui se poursuit avec 17-38 à faire à la première période de jeu. Disque saisi derrière le filet par Bibeau. Bibeau tente de renvoyer le long de la bande, mais un jeu physique de la part de l'équipe Québec l'empêche de le faire. En zone neutre maintenant, Cason Fisher avec le disque. Repousse un peu plus loin. On aura un hors-jeu sur la séquence. Alors que la rondelle jouait un peu à la marelle d'un côté et de l'autre de la ligne bleue. Et on reprendra devant le banc d'équipe Québec. Seulement un tir au but pour chacune des équipes jusqu'à maintenant dans ce match, avec 2 minutes 39 d'écoulées. Mise au jeu remportée au centre par équipe Manitoba. Worthington avec le disque. Un dégagement va aller rejoindre Nathan Watson à la droite de son gardien derrière le filet. On renvoie sur le flanc gauche. On tente de sortir du territoire défensif et ça va être réussi. On se retrouve en zone neutre. Colton Worthington à la droite vers Kettles. Kettles qui s'avance, un dégagement en croisé. Sur le 10, ce sera Nathan Watson. Nathan Watson derrière son filet, surveillé par Colton Worthington. Renvoie une passe à sa gauche. Passe de la part de Julien Bonnet qui sera bloqué, rabattu en territoire offensif du Manitoba. On amène le 10 devant le filet, la passe, le tir, on rate de justesse à la droite du filet. L'action qui se poursuit derrière le gardien. À la gauche maintenant de ce dernier. On est contre la bande présentement. L'équipe Québec tente un dégagement. Gault y va d'un tir à la ligne bleue. Ça va rater la cible et ça va être repris par Cole Temple. Temple, la passe en croisée. Sur le côté gauche, c'est Tate Delinsky avec la rondelle. 7 derrière à Reese Gault. Gault vers Temple à la ligne bleue. Il s'avance. La passe vers Jones à la hauteur du cercle de mise au jeu. Bonne pression de la part d'équipe Manitoba. Jones à la ligne bleue vers Gault. Son tir. L'arrêt, le disque libre et le but! Owen Martin! Et c'est l'égalité 1-1! Un bon travail de Owen Martin qui a suivi le jeu. Un tir de la ligne bleue. La rondelle était sautillante. On a complètement perdu le disque de vue, autant à la défensive que chez le gardien. William Lasselle qui n'y pouvait absolument rien, alors que le disque était fin seul dans son demi-cercle. Et le capitaine adjoint Owen Martin qui en profite. C'est 1-1. Mise au jeu remportée par Cole Temple. 14 qui va reprendre. Remettre en zone neutre. Disque qui va dévier sur le côté droit de la patinoire. Et c'est Flanagan qui va saisir pour le Québec. Flanagan entremêlé devant le banc du Manitoba. Disque qui va être repris par son coéquipier. Un tir! C'est Olivier Lampron qui a raté la cible sur la séquence. Et on se reprend en zone neutre du côté du Québec. Amiot remet à son côté. De retour vers Amiot en territoire défensif. Surveillé par Owen Martin. Ça en a la patinoire. Amiot qui préfère effectuer un dégagement. Ce sera saisi derrière le filet par Justin Perrault. À la ligne bleue, c'est Carrier qui s'avance. Carrier avec une feinte va perdre contrôle du disque. Ça va permettre à Martin de reprendre. Martin qui s'amène au centre de la patinoire. On effectue un dégagement. On effectuera un changement également au banc d'équipe Manitoba. Équipe Québec avec le disque au centre de la glace. Émile Guité qui s'avance. Guité 7 vers Desnoyers à la droite. Un revirement, mais Desnoyers qui va lui-même ressaisir. Caleb Desnoyers qui 7 derrière.
Jonathan Prudhomme avec la rondelle. Renvoie de l'autre côté à l'intention de Louis-Alex Tremblay. De retour vers Prudhomme à la gauche. Prudhomme, ça passe. Ça va être dévié par l'offensive manitobaine qui font un bon travail à l'échec avant. Sur le flanc droit, Louis-Alex Tremblay tente d'envoyer en zone neutre. Un autre revirement. On s'amène devant le filet. On peut compléter la passe. Et ça va être Sean Carrier qui relance le jeu pour l'équipe Québec. Remet vers Guité devant. Guité qui s'avance. Attend les renforts. Une feinte. Le tir rate la cible de justesse. Une bonne patience de la part de Guité, mais ne peut en profiter. Caleb Desnoyers qui va reprendre le long de la bande de l'autre côté. On attend les renforts. Une passe à la ligne bleue. Un tir, l'arrêt. Le disque libre. On renvoie derrière le filet. Un bon jeu, bonne présence d'esprit de la part d'équipe Manitoba. Un tir qui sera bloqué. Ce sera ressaisi par le 17 Hayden Papanekis. Un dégagement qui va tenter de rejoindre Jed Lajoie, qui ne peut saisir la rondelle. Ça va permettre à l'équipe Québec de reprendre derrière leur propre filet. 14 minutes à faire à la première période de jeu. Rondelle reprise à la ligne bleue. C'est Derlinski qui s'avance. Tente de remettre dans le coin de la patinoire vers Gard. Gard qui s'amène. Contourne le filet. Le carousel, le tir. L'arrêt réalisé sur la séquence par William Lasselle. Au centre de la glace maintenant, Sean Carrier. Échappe le disque. C'est la contre-attaque. Hamelin remet devant un tir bloqué par le défenseur. C'est ressaisi par Galt à la ligne bleue. Sa passe interceptée. On s'amène avec la vitesse. C'est Ricard au centre de la patinoire. Et Ricard là-dessus qui s'est fait bousculer par la défensive du Manitoba. Ça va permettre à Hamelin de reprendre dans le coin de la patinoire pour les siens. Hamelin renvoie devant. Disque repris par Bonnet. Au centre de la glace. Bonnet qui renvoie derrière à l'intention de Louis-Alex Tremblay. Dégagement de la part de Louis-Alex Tremblay. Ressaisi par Reese Galt. Galt dans son propre territoire. La passe à la gauche. Tate Derlinski avec la rondelle. Derlinski qui va dégager le disque. Ça va dévier. Labelle va reprendre pour équipe Québec. Labelle s'amène devant le filet. Labelle un tir tout juste par-dessus la barre transversale. Et ça va être ressaisi à ses côtés par Olivier Groulx. Groulx ne peut saisir le disque. Ethan Bebo s'en occupe. Rejoint Reese Galt derrière le filet. Galt. Renvoie devant pour Bibo. Il échappe la rondelle, un revirement, mais Galt, un beau travail, réussit à récupérer le disque libre devant son gardien, effectuer un dégagement, et c'est Julien Bonnet qui va saisir derrière son filet. Bonnet, à la gauche, à l'intention de Nathan Watson. Renvoie la passe contre la bande. Flanagan échappe le disque en zone neutre. Watson va tenter de reprendre et de dégager du revers. Disque qui va être bloqué par le numéro 20 sur la séquence, Coltrane Worthington. De l'autre côté, Anthony Flanagan renvoie vers Veilleux qui s'amène sur le flanc gauche. 7 derrière pour Lecomte. Lecomte s'amène devant le filet. La passe dans l'enclave ne trouve aucun preneur. Lecomte va lui-même saisir le disque. À la ligne bleue, Lecomte décoche un tir et le but! Le numéro 17, Nathan Lecomte, redonne l'avance au Québec et c'est 2-1. Et dans le cercle de mise au jeu, c'est le capitaine Caleb Desnoyers qui remporte l'engagement pour l'équipe Québec jusqu'à maintenant un match très offensif. Carrier, un dégagement qui sera saisi par la mitaine de Perrault. Il n'y en ira pas plus loin sur la séquence. Jusqu'à maintenant, 9 tirs au but, 3 buts. Pourcentage de conversion de 33% jusqu'à maintenant dans ce match. Collins avec le disque derrière son filet. Renvoie vers Martin. Martin tente de faire dévier en profondeur. C'est réussi, mais ce sera repris par équipe Québec. Disque libre en zone neutre maintenant. Manitoba, il va avec le dégagement. On s'amène maintenant en 2-1. On peut conserver contrôle de la rondelle. Et Cole Temple va devoir reprendre le long de la bande. Cole Temple, rejoint par Caleb Desnoyers. Le disque libre qui sera saisi par Collins. Il va d'un dégagement alors que Martin s'amène sur l'échec avant. Équipe Québec qui conserve contrôle du disque. Benjamin Amiot remet devant. Et la rondelle qui va être déviée jusqu'en profondeur à la droite du gardien Perrault. Manitoba qui va saisir et renvoyer le long de la baie vitrée. Cole Temple renvoie au centre de la patinoire pour Owen Martin qui va faire dévier la rondelle en profondeur.
alors que nous arrivons presque à mi-chemin dans la première période de ce match. Toujours 2 à 1 la marque en faveur du Québec. Ce sera repris devant le filet. Lajoie qui s'amène, un tir qui rate la cible. Une belle chance pour Jet Lajoie qui n'a pu en profiter. Hayden Papanekis maintenant dans le coin de la patinoire. Rejoint Lajoie. Lajoie qui renvoie derrière le filet. Oli Chénier qui s'amène vers la rondelle. Va réussir à remettre vers Papanekis. Papanekis, son tir. L'arrêt de la part de William Lasselle. Et on n'ira pas plus loin sur la séquence. C'est Ricard qui va s'amener en territoire offensif pour le Québec. Ricard qui échappe la rondelle. Elle va déferler jusqu'en territoire défensif alors que Caleb Desnoyers va saisir. Rejoint devant Ricard. Cède vers Desnoyers qui s'amène avec la vitesse. Desnoyers perd contrôle du disque. Son coéquipier Wang va reprendre. Remet vers Desnoyers derrière le filet. Devant le filet, un tir! L'arrêt réalisé par Perrault. Un bon arrêt pour le gardien. À sa gauche maintenant. Sera repris par Oli Chénier. Chénier rejoint Lajoie devant. Il échappe la rondelle. Ça va permettre à Gros de ressaisir pour les siens. Gros, un tir de loin. L'arrêt de la part de Perrault. Labelle qui s'amène derrière le filet ne peut capter le disque qui va déferler jusqu'au centre de la patinoire. Équipe Québec avec la rondelle dans leur propre territoire. Prudhomme renvoie du revers au centre de la patinoire. Maintenant pour Labelle en entrée de zone. Labelle, un tir, l'arrêt de la jambière. Ce sera ressaisi par Matthew Gard. Gard en contre-attaque sur le flanc gauche. La passe à sa droite. Hamelin qui vient se faire donner un double échec sur la séquence. Et on sera chassé du côté d'Équipe Québec. Aucun doute là-dessus, Mathieu. Et ce sera... Cole Temple dans le cercle de mise au jeu en 35 parties jouées avec les Wheat Kings sous 18. Il totalise 58 points, bon pour le 7e rang du circuit. À la ligne bleue, Fisher remet à la gauche vers Temple. De retour vers Fisher. Passe vers Martin. Martin dans le cercle de mise au jeu. En coin de la patinoire, Martin remet derrière le filet. La rondelle qui va longer la bande jusqu'à Cole Temple. Temple dans le cercle de mise au jeu. Remet dans l'enclave. Un tir qui rate la cible. Le retour qui est libre. Et on va réussir à loger le disque entre le filet et la jambière de William Lasselle. Et pour battre William Lasselle ce soir, Mathieu, il va falloir être au sommet de notre jeu du côté de l'équipe Manitoba. Disque qui sera repris à la ligne bleue, c'est Cason Fisher. À la gauche, une passe latérale. Martin qui s'avance, un tir, c'est bloqué. Le retour, oh, quel arrêt de la part de William Lasselle. Un bon déplacement alors que le retour... était complètement libre et on reprendra la séquence en zone neutre. Mise au jeu remportée par Manitoba. Fisher renvoie vers Martin. Martin derrière pour Fisher à nouveau. Cason Fisher, 25 points en 41 parties jouées au sein de son équipe. En cercle de mise au jeu, maintenant c'est Temple. Derrière pour Fisher. Fisher à la gauche pour Temple. Vers Martin. Martin s'avance. Rejette du revers à la ligne bleue. Ce sera repris par Fisher. Fisher, son tir de loin. Le disque libre devant le filet. La rondelle qui va déferler jusqu'en zone neutre suite au dégagement. Fisher. Vers Lajoie. Lajoie s'occupe d'un dégagement en profondeur. Temple qui s'amène vers la rondelle. Temple vers Martin.
et c'est seul contre la bande. Renvoie de l'autre côté pour Temple. N'arrive pas à temps, c'est plutôt Benjamin Amiot qui va réussir à dégager l'autre côté. Interception, un tir, un bel arrêt de la part de William Lasselle. On reprend, c'est Lajoie. Pardon, c'est plutôt Jones. Jones à la ligne bleue vers Martin qui s'avance. Un tir de Martin. Ça va être dévié avant de se retrouver sur le filet protecteur. Et on résiste à l'envahisseur du côté de l'équipe Québec jusqu'à maintenant. Mais certainement que l'équipe Manitoba bourdonne autour du filet de William Lasselle. Matthew Gard qui s'avoue vaincu dans le cercle de mise au jeu et le dégagement qui sera réussi pour l'équipe Québec. Et c'est essentiellement ce qui mettra fin au jeu de puissance manitobain. Kettles au centre de la glace, d'un bord à l'autre. Kettles en cercle de mise au jeu. Un tir, ça a été dévié devant le filet. Un bel arrêt de la part de Lasselle. Sera repris à la ligne bleue par Matthew Gard. Tir de Gard saisi par Lasselle. Et on aura une autre mise au jeu à la droite du portier québécois. Anthony Flanagan s'amène à la droite, échappe la rondelle. Ce sera ressaisi par l'équipe Manitoba, Jack Clark avec le disque. C'est plutôt Max Hamelin qui renvoie en profondeur en territoire offensif et ce sera ressaisi par l'équipe Québec en transition. Flanagan tente de renvoyer vers Veilleux. Disque qui sera dévié en zone neutre. Matthew Gard qui envoie plus loin. Prudhomme qui va reprendre avec un long tir. Saisi de la mitaine et 7 derrière à l'intention de Kaelson Fisher. Fisher vers Gard. Gard, sa passe, intercepté par Veilleux qui remet derrière pour Prudhomme. Prudhomme en entrée de territoire, un tir de loin, on saisit de la mitaine. Et encore une fois, on fait confiance aux défenseurs alors qu'on donne le disque à Peyton Kettles. Jeu devant le filet. Il y a démarré. Il peut conserver le disque. Et le Manitoba qui reprendra, repoussé en hauteur. Et c'est Julien Bonnet devant son gardien qui va saisir. Une passe au centre de la patinoire. Ce sera intercepté. Olivier Groux qui saisit. Renvoie derrière à l'intention de Jonathan Prudhomme. Une passe contre la bande. Un revirement dans l'enclave. Un tir qui fend l'air. Sera saisi à nouveau par l'équipe Québec qui amène la transition. Desmarais. Renvoie devant à l'intention de Labelle. Bonnet qui va saisir maintenant en zone neutre. Bonnet en entrée de territoire. Tente de contourner. Papanekis, c'est raté. Là, maintenant, c'est Lajoie qui s'amène à la droite. Ne peut capter la passe. Collins qui va saisir. Effectuer un dégagement qui ira rejoindre Julien Bonnet derrière son filet. Se faire rejoindre d'une mise en échec de la part de Papanekis dans le coin de la patinoire. Reçoit les renforts de Benjamin Amiot qui va saisir le disque. C'est plutôt Desnoyers qui va avec la passe devant vers Carrier. De retour vers Desnoyers qui s'avance. Traverse la ligne bleue. Desnoyers en entrée de territoire. La passe devant le filet, ça a été dévié. Et maintenant, on s'amène en zone neutre. Oli Chénier avec le disque. A plutôt préféré faire un dégagement alors qu'on amènera l'échec avant du côté du Manitoba. Gault renvoie en profondeur. Ce sera repris derrière le filet. On renvoie contre la bande. Graham Jones avec le disque. 7 derrière. Benjamin Amiot qui va saisir pour le Québec et tenter encore une fois un dégagement. Et ce sera encore une fois retenu par l'équipe Manitoba. Jones sur le flanc gauche. Rejette en profondeur vers Temple derrière le filet. Temple se fait rejoindre par la mise en échec de Benjamin Amiot. Bagarre à 4 joueurs pour l'obtention du disque. Il semblerait que finalement, équipe Québec... Et non, j'allais dire qu'équipe Québec allait finalement réussir un dégagement. Et le disque, il se retrouve plutôt tout juste à côté de leur entraîneur. Alors qu'on prendra avec une mise au jeu défensive. Chris Galt tente un dégagement, ça va être dévié. C'est Temple qui va saisir le disque libre. Temple qui accélère au centre de la patinoire. Traverse la ligne bleue, toujours Temple avec le disque. C'est derrière Martin, un tir qui rate la cible. Sera repris par Delinsky qui échappe la rondelle.
Reese Gault qui va devoir reprendre. Gault renvoie devant. Rondelle rabattue. Lecomte avec le disque. Lecomte ne peut résister à Graham Jones qui réussit à remettre devant lui vers Owen Martin. De retour vers Jones derrière. Jones à la gauche pour Cason Fisher. Renvoie vers Martin qui va rejeter en profondeur. On effectuera des changements des deux côtés. Derrière le filet, Alex Wong. Wong toujours avec le disque en entrée de territoire sur le flanc droit. Rejoint Guité qui ne peut contrôler la rondelle. Toutefois, équipe Québec qui conserve le disque en territoire offensif. Flanagan vers Guité. Au centre de la patinoire maintenant, c'est Ethan Bibeau qui s'amène. Remet devant le filet. Dans le coin de la patinoire, la passe dans l'enclave vers Worthington qui fait dévier derrière la cage de, William Lassell. Pardon. Quelques joueurs entremêlés à la droite du gardien. 3 minutes 5 à faire à la première période de jeu. Toujours 2-1 la marque. Flanagan remet derrière son filet. Louis-Alex Tremblay prend contrôle du disque à la droite de son gardien. Tremblay avec la rondelle, renvoie devant pour Veilleux qui ne peut capter la passe. Et ça va se transformer en dégagement refusé alors que le Manitoba continue de mettre la pression sur le territoire défensif de l'équipe Québec. Prudhomme qui va reprendre derrière son filet. Tente un dégagement, ça va être bloqué. Un tir devant le filet, dévié derrière la cage de Lassell. Sera ressaisi par Guité qui repousse en zone neutre. Collins qui va reprendre. Entre en territoire sur le flanc droit. Collins à la hauteur de sac de mise au jeu. Un tir sera de la cible. Et ça va être repris par le numéro 16, Elliott Desmarais. Tente un dégagement, c'est repris par l'équipe Manitoba qui renvoie encore une fois derrière le filet de William Lassell. Un autre dégagement en zone neutre, repris par Chénier. Chénier, long passe à l'intention de Lajoie à la gauche. Sa passe du revers dans l'enclave va être déviée, lui-même va reprendre. Vers Chénier, un tir, ça va être bloqué devant le filet. La contre-attaque maintenant qui s'amène sur la gauche, c'est Labelle qui accélère. Tente de déborder, préfère plutôt appliquer les freins. Labelle avec la rondelle. Se fait rejoindre par deux dossards noirs. Et le Manitoba qui réussit à reprendre contrôle de l'objectif. Reese Gault. La passe de l'autre côté à l'intention de Ryan Gower. Gower vers Lajoie. Lajoie, sa passe, manque de précision. Le capitaine Caleb Desnoyers qui va saisir un dégagement. Gault vers Papanakis. Papanakis qui décide d'effectuer un dégagement en profondeur et on effectuera des changements. Dernière ligne droite de la première période de jeu. Desnoyers qui s'avance sur la gauche. Desnoyers la passe latérale vers Guité. Guité ne peut saisir et ce sera Tate Delinsky qui va s'occuper de remettre contre la bande. En zone neutre. Un dégagement de la part de Matthew Gard. Ça va être saisi par Lassell derrière son filet qui renvoie contre la baie vitrée. Mêlé à quelques joueurs dans le coin de la patinoire. Disque libre devant. On ne peut saisir et Guité qui va s'en occuper. Renvoie vers Carrier à la gauche. Carrier Kettles qui lutte pour le disque. Et Carrier qui a pris la décision intelligente, Mathieu, je crois, d'éviter la mise en échec de Kettles. Ça permet au Manitoba de reprendre. Fisher. Renvoie devant pour Matthew Gard. Gard va échapper le disque. C'est repris par l'équipe Québec. Carrier qui s'amène à la gauche. Carrier dans le cercle de mise au jeu. Demi-tour de la part de l'attaquant. On va remettre dans le coin de la patinoire. Et Manitoba, à l'aide de son jeu physique, va pouvoir reprendre le disque et le dégager. Et quel jeu physique de la part de l'équipe Manitoba jusqu'à maintenant. Wang qui s'amène. Renvoie contre la clôture. Ce sera ressaisi par l'unité défensive du Manitoba, mais attention, Lecomte n'a pas dit son dernier mot, mais il échappe la rondelle. Cole Temple maintenant qui s'amène. Cole Temple, un tir, ça va être dévié avant de se retrouver sur les poutres de l'Arena McLaughlin. Et on aura une mise au jeu avec 8 secondes à faire à la première période aux côtés du gardien québécois. Disque dans le cercle de mise au jeu, tir et le but!
goal! Temple crée l'égalité avec 3 secondes à faire. C'est 2-2. La rondelle qui était complètement entremêlée. Temple qui saute sur le disque. Un tir rapide. Il déjoue la vigilance de William Lasselle qui aimerait revoir ce tir, Mathieu. Et c'est ainsi que se termine cette première période de jeu. Un pointage égal, mais j'ai l'impression présentement que le momentum est du côté de l'équipe manitobaine. Vous écoutez les Jeux d'hiver du Canada 2023 présentés à l'île du Prince-Édouard. Revenez des nôtres dans quelques instants pour la deuxième période de ce match entre le Québec et le Manitoba.
Rebienvenue à cette diffusion des Jeux d'hiver du Canada 2023 présentée à l'île du Prince-Édouard. C'est le début de la deuxième période de ce match qui oppose équipe Québec à équipe Manitoba. Et le pointage après une période, Mathieu, qui est de 2-2. Ouais, du côté de Québec, je crois aussi qu'il faut augmenter la vitesse, Mathieu, alors qu'on laisse un peu les joueurs de l'équipe manitobaine utiliser leur jeu physique le long des bandes. Du côté de l'équipe Québec, il va falloir quitter ses positions vulnérables le plus tôt possible en deuxième période pour se donner une chance d'utiliser les canons offensifs de Caleb Desnoyers, de Nathan Lecombe et de Émile Guité à l'attaque pour se donner une chance dans cette deuxième période. Et tu as mentionné le mot « réplique », Mathieu. Je crois que le mot « réplique », c'est le mot qui résume le mieux ce match jusqu'à maintenant. Aussitôt qu'une équipe a marqué, l'équipe adverse a remonté l'énergie, remonté le calibre de jeu. Et jusqu'à maintenant, ça fait en sorte que nous avons un très bon match ici sur l'île du Prince-Édouard. On vous rappelle que nous sommes du côté de l'Arena McLaughlin, alors que les 10 joueurs s'assemblent dans le cercle de mise au jeu central pour le début de cette deuxième période de jeu. Bonne deuxième à tous. Mise au jeu remportée par l'équipe du Manitoba. Peyton Kettles qui va reprendre derrière son filet, remettre vers Reese Gault. Gault renvoie devant, la passe qui ne trouve preneur, ça va déferler jusqu'au gardien de l'autre côté, William Lassell, qui préfère saisir le disque et on reprendra à ses côtés. On a vu derrière le casque de William Lassell un drapeau du Canada, un drapeau de la France, un drapeau du Québec et un drapeau de l'Allemagne. Alors, je serais intéressé de savoir un peu le pourquoi. Alors qu'on va reprendre derrière le filet, c'est Benjamin Amiot avec la rondelle. Renvoie la ligne bleue à l'intention de quitter, mais le disque va déferler de l'autre côté. Kettles qui va reprendre pour les siens. Kettles contourne son filet, va échapper le disque. Toutefois, conserver le contrôle contre la bande. Kettles, revirement, on s'amène sur la palette de Guité qui ne peut capter la rondelle. Et maintenant, c'est Carrier avec le disque qui s'avance. Un tir de Carrier, c'est repoussé. Le retour! Oh, oh, oh! Quel arrêt de la part de Justin Perrault et l'action qui se poursuit. Oh, Justin Perrault qui a sorti la pagaille. Il a privé un but assuré à l'équipe Québec sur la dernière séquence. Wow! L'action qui se poursuit le long de la bande, c'est Carrier. Renvoie au centre de la glace. Un tir de loin, le disque qui va dévier à la gauche de Perrault. Et ça va être repris par l'équipe Québec le long de la rampe. On remet à l'intention d'Émile Guité. Tente un dégagement, ça va dévier. Ce sera saisi par Louis-Alex Tremblay au centre de la patinoire. Tremblay en entrée de territoire, dans le cercle de mise au jeu. À la recherche d'une option passe, a tenté la passe en croisée, ça a été bloqué. Le long de la bande, quatre joueurs qui luttent pour l'obtention de la rondelle. L'énergie qui est présente à l'Arena McLaughlin jusqu'à maintenant lors de cette deuxième période. 18-30 à faire à l'engagement. Centre de la glace, un long dégagement de la part de l'équipe manitobaine. Lassell va laisser le disque filer. La joie qui s'amène vers la rondelle réussit à refiler derrière. Et le disque qui va se retrouver tout juste aux côtés du personnel d'entraîneur de l'équipe du Manitoba. Et on reprendra avec une mise au jeu. Alex Tremblay derrière. Son gardien renvoie en zone neutre. Lecombe qui ne peut saisir le 10. Ça va permettre à Papanekis de remettre derrière. Un jeu physique le long de la bande et je n'ai pas vu l'action, Mathieu. Bien dangereux comme plaquage de la part de
tantôt, Aiden Papanekis, qui se l'a chassé, va avoir donné de la bande. Et là, secoué. Je crois que c'est Nathan Lecomte qui est sur la patinoire, qui réussit à se relever tranquillement. Nathan Lecomte qui retournera au banc des siens. Et Aiden Papanekis qui sera donné un 2 minutes sur la séquence. Je n'ai pas vu la séquence, Mathieu. L'équipe Québec qui a compté un peu plus tôt dans ce match en avantage numérique. Et voilà l'attaque massive qui se ramène. Guité à la droite. Envoie de l'autre côté. On s'avance dangereusement. Un tir. Ça va être dévié, bloqué sur la séquence par Ryan Gower qui peine à se relever. De retour à la ligne bleue, la passe. Un tir. Un bel arrêt de la part de Perrault. Et la séquence qui se poursuit. Peyton Kettles tente de dégager la rondelle. C'est raté. Derrière le filet. Olivier Lampron s'amène vers le disque. Remet à la gauche pour Caleb Desnoyers. Desnoyers dans le coin de la patinoire à la recherche d'une option. Retrouve son défenseur Alex Wang à la ligne bleue. Vers Guité, un tir, l'arrêt sur la séquence. Et Kettles qui va reprendre. Tente un dégagement. Wang qui réussit à conserver à la ligne bleue. Carrier maintenant qui s'amène, un tir de Carrier. L'arrêt de Perrault. Et on prendra à ses côtés avec une 16 à faire à la supériorité numérique. Sean Carrier qui s'avoue vaincu dans le cercle de mise au jeu. Un bel effort de la part de son joueur d'avant pour reprendre contrôle du disque. Veilleux renvoie de l'autre côté à la ligne bleue maintenant. Prudhomme avec le disque à la recherche d'une option. Prudhomme remet vers Veilleux, Tremblay plutôt à la gauche vers Veilleux. Veilleux en profondeur maintenant. De retour vers Veilleux et ce sera repris par l'équipe Manitoba qui tente un dégagement, mais c'est raté. On s'avance maintenant vers Prudhomme. Un tir de Prudhomme. C'est bloqué par la défensive manitobaine. Et dans le coin de la patinoire, c'est Anthony Flanagan qui va reprendre. Remet à la ligne bleue. Tremblay à la droite pour Prudhomme. De l'autre côté pour Veilleux. Veilleux ne peut capter la passe qui avait été déviée. Veilleux surveillé par Clark. Toujours Veilleux. 7 derrière. Une passe qui manque de précision. On réussit à conserver le 10 du côté d'équipe Québec. Derrière le filet, maintenant c'est Labelle. Labelle renvoie à l'intention de Prudhomme. Prudhomme, retour derrière à l'intention de Flanagan. La passe dans l'enclave. Labelle, un tir en plongeon, va rater la cible à la gauche du gardien. Et finalement, Manitoba qui va réussir à repousser le disque en zone neutre avec 7 secondes à faire à l'avantage numérique. Veilleux, un tir, ça va être bloqué. Le retour, un autre tir et le but! Philippe Veilleux retrouve le fond du filet, redonne l'avance à l'équipe Québec. C'est 3-2. Sur la séquence, c'est Aiden Collins qui s'est fait frapper au genou. Alors, son défenseur a dû compenser, Mathieu. Il a laissé un joueur complètement libre. Et Philippe Veilleux en a profité. On ne veut définitivement pas laisser Philippe Veilleux seul sur la patinoire. Projeté comme 4e choix au prochain repêchage de la LHGMQ, selon Elite Prospects. 10 dans le coin de la patinoire à la gauche du gardien du Manitoba. Ça mène dans l'enclave. Le compte qui peine à garder contrôle du disque et ça va être repris par Jones. Jones remet devant vers Temple qui s'amène vers Jones qui échappe le disque. Jones à la ligne bleue, un tir de loin, ça va être dévié à la droite de la selle. Cole Temple qui va saisir, remet à la ligne bleue. Équipe Québec qui semble prendre contrôle de la rondelle et c'est Lampron qui s'amène en territoire offensif vers le compte qui va trébucher en entrée de territoire. Ricard tente un dégagement. C'est réussi derrière le filet alors que Lecomte s'amène vers la rondelle mais ne peut saisir. Olivier Lampron vers Desnoyers. Desnoyers, une belle feinte au centre de la glace. Desnoyers, un tir! Oh, on teste la plomberie!
de Justin Perrault, dénoyé, qui a voulu faire tout le travail seul et a presque réussi à retrouver le fond du filet. Temple contre la bande. Perd contrôle du disque, la passe dans l'enclave. Ça va rejoindre à la ligne bleue. Un tir et le but! Le Gaulois de Saint-Hyacinthe, Julien Bonnet. Et c'est 4 à 2. Maintenant, c'est la contre-attaque. Un tir qui rate la cible. On s'amenait dangereusement sur le flanc droit. C'était Lajoie. Lajoie derrière le filet. En contrôle de la rondelle. Lajoie, la passe dans l'enclave. Ça va être ressaisi par Guité. Guité à la droite. Guité qui va trébucher au centre de la patinoire. On jugera qu'il a trébuché par lui-même alors que Papanekis va remettre vers Lajoie à la droite. La passe devant et on s'amène. C'est Oli Chénier. Le tir rate la cible. Oli Chénier qui avait une bonne chance en échapper. Et maintenant, c'est l'équipe Québec qui va reprendre contrôle du disque à la propre ligne bleue. Remet à la droite à l'intention d'Olivier Groulx. Groulx tente de contourner. Grower. Groulx qui va renvoyer à son coéquipier sur les contours de la bande. Elliott démarrait avec la rondelle. Envoie à la ligne bleue vers Tremblay à la gauche. Un tir qui fend l'air de la part de Prudhomme. De retour vers Labelle maintenant en profondeur. Prudhomme à la ligne bleue. Renvoie une passe derrière le filet. On s'amène dans l'enclave. La passe qui est déviée. Retourner vers Prudhomme à la ligne bleue. Tremblay qui s'avance. Un tir! Et l'arrêt réalisé sur la séquence par Justin Perrault. Évidemment, on aimerait souligner la ville Charlottetown qui nous accueille chaleureusement pour les Jeux d'hiver du Canada 2023. Ici même à l'Arena McLaughlin qui est située dans la magnifique ville de Charlottetown. Une compétition également qui vont se produire un peu partout à travers l'île du Prince-Édouard au courant des deux prochaines semaines. Contre-attaque de l'équipe du Manitoba. Gare qui se fait rejoindre avec toute une mise en échec sur la séquence. Hamelin. Dans le coin de la patinoire. Tente de renvoyer contre la bande. Gord qui va reprendre. Maintenant, c'est la contre-attaque qui s'amène sur le bâton de Sean Carrier. Carrier qui s'amène. Un tir de Carrier, ça va être bloqué à la défensive. Carrier va tenter de reprendre derrière le filet. Rate sa chance. Et maintenant, c'est le numéro 5, Rhys Gord qui s'amène. Renvoie la passe à la gauche vers Easton Odot. Odot, dans le coin de la patinoire, réussit à rejoindre Dorlinski à la ligne bleue. Dorlinski. De retour vers Odot derrière le filet. Odot et Tremblay qui luttent pour le disque. Tremblay réussit à dégager sur les contours de la rampe. Quatre joueurs maintenant qui tentent de reprendre contrôle du disque. Dorlinski qui reprend. Remet derrière le filet à l'intention de Matthew Gard. Gard qui va échapper la rondelle. Ça va permettre à l'équipe Québec de tenter un dégagement, mais c'est retenu à la ligne bleue par Dorlinski. Matthew Gard sur le flanc droit. Gard de retour à la ligne bleue. On s'avance maintenant. C'est sur le bâton de Fisher. Un tir de Fisher. On résiste à l'envahisseur du côté d'équipe Québec. Et la rondelle maintenant qui se retrouve en zone neutre. Clark repousse en profondeur. Bibeau qui s'amène sur le disque. Bibeau ne peut saisir alors que la rondelle a de justesse touché au filet protecteur ici du côté de l'Arena McLaughlin. Et avec 11:59 à faire à la deuxième période de jeu, on reprendra en territoire d'équipe Québec. Dans le coin de la glace, c'est Owen Martin. Martin qui s'est fait un peu plus discret en deuxième période. Va rejeter derrière le filet. Wang va reprendre pour les siens. Wang renvoie contre la bande. Un tir dévié devant le filet. Saisi par la mitaine de William Lassell. Il y en aura une mise au jeu à ses côtés. Et déjà, là, entre ces deux équipes, on s'échange quelques mots après les sifflets ici et là, Mathieu. Haute en émotion sur un match qui est de la France.
Querelle à quatre joueurs à la droite du gardien Lassalle pour l'obtention du disque et c'est Martin qui en sort vainqueur. Renvoie vers Fisher à la ligne bleue. Fisher qui perd contrôle du disque. Et maintenant, c'est Émile Guité qui s'amène en territoire offensif. Mais bon jeu de la part de Fisher. Un autre revirement, un tir des dédoyés. L'arrêt de la jambière. On aura une punition en retardement sur l'équipe du Manitoba. Derrière le filet, équipe Québec en contrôle du disque. On renvoie vers Wang à la ligne bleue. Wang manie le disque. Un bon contrôle de la part du numéro 8 des siens. Le disque toujours en contrôle de Desnoyers maintenant. À la gauche, c'est Amiot qui va d'un dégagement derrière le filet. Ce sera saisi par Olivier Groux. Et alors que le disque se retrouve sur le filet protecteur, on aura l'appel de punition. Je crois que ce sera pour avoir retenu, Mathieu, l'avantage numérique québécois qui sera de retour sur la patinoire. Et Desnoyers qui remporte la mise au jeu. On a tenté de rejoindre Guité sur la passe, mais c'est l'équipe manitobaine qui reprend contrôle du disque et qui va dégager de l'autre côté. Alex Wang avec la rondelle. Wang qui s'avance. Va céder derrière. L'intention de Lecomte. Une passe à la gauche qui manque un peu de précision. Ce sera ressaisi par l'équipe manitobaine qui s'occupe d'un autre dégagement. Et Alex Wang derrière son propre filet qui va relancer le jeu. Alex Wang dépasse déjà deux défenseurs manitobains en entrée de zone. Remet à la gauche. Dans le cercle de mise au jeu, un tir. L'arrêt de la part de Perrault. Il va geler le disque avec 10-15 à faire. Et attention, les esprits s'échauffent devant le filet de Justin Perrault. Il y a des joueurs qui vont se faire montrer la porte de sortie sur cette séquence, Mathieu. Desnoyers qui ira faire un tour au banc de punition. Même chose pour Colton Worthington. Ainsi que Colton Worthington. Je crois qu'on évoluera à 5 contre 5, Mathieu. Oui, et voilà. Intéressant. Et pour 40 secondes, on évoluera en avantage numérique par la suite pour équipe Québec. Fin de tir de la part de Gower. Gower, demi-tour. Renvoie vers Chénier. Chénier à la hauteur du cercle de mise au jeu. Se fait rejoindre avec une mise en échec dans le coin de la patinoire. Jette Lajoie qui s'amène en renfort. Quatre joueurs à la droite du gardien qui cherchent à obtenir le disque. Lajoie qui va reprendre derrière le filet. Toujours Jette Lajoie avec le disque. Demi-tour dans le coin de la patinoire. Lajoie encore derrière le filet, fait un très bon travail à se démarquer. Renvoie de l'autre côté à l'intention de Lee Chénier. Chénier se fait rejoindre par une mise en échec et reçoit les renforts de Gower. De retour vers Lajoie, maintenant dans le coin de la patinoire. Bon travail de la part d'équipe Québec qui réussit à reprendre contrôle du disque. Philippe Veilleux renvoie la rondelle devant. En entrée de territoire, la passe dans l'enclave va être déviée par Peyton Kettles qui tente un dégagement, mais ce sera saisi par Nathan Lecomte. Lecomte rejoint son coéquipier à la gauche. Veilleux qui s'avance. Un tir de Veilleux. Le disque libre! On a eu toute une chance. On a pu en profiter du côté d'équipe Québec. Derrière le filet, Peyton Kettles. 56 secondes à faire à la punition d'équipe Québec. Encore à 4 contre 4 pour 10 secondes. Et par la suite, ce sera l'avantage numérique. Gower en entrée de territoire. En cercle de mise au jeu. Un tir. L'arrêt de la part de Lassalle. Chénier qui saisit. Feinte de tir. Va remettre vers lui-même avant de céder vers Gower à la ligne bleue. Gower, un tir de loin. Un arrêt facile de la part du bouclier. Ils disent qu'il va revenir vers Gower à la ligne bleue. Gower qui capte, va remettre vers Jones.
Jones renvoie devant en entrée de zone. Lajoie qui a été légèrement devancé sur la séquence par Cole Temple, alors qu'on évolue en avantage numérique pour la troupe du Manitoba. Temple qui va s'avouer vaincu dans le cercle de mise au jeu. Équipe Québec qui reprend contrôle et qui réussit un très long dégagement qui s'apparente presque à un tir. Alors que Fisher va reprendre le disque derrière son gardien. Fisher reçoit de la résistance de la part de Lampron mais conserve la rondelle. Fisher va céder derrière. Cole Temple qui s'avance en entrée de territoire. Cole Temple se fait harponner le disque. Et Fisher qui va devoir ressaisir en zone neutre. Remet vers Jones. Demi-tour de la part de Jones. Retour à 5 contre 5 également sur la patinoire. Une passe à la droite vers Martin. Martin devant le filet à l'intention de Temple qui n'a pu retrouver la bonne voie pour récupérer le disque. Jones renvoie du revers en profondeur. Disque rabattu par Lampron. Contre-attaque québécoise maintenant qui s'amène au centre de la patinoire. Lampron, une bonne feinte en zone neutre, va échapper le disque. Ça permet à Jones de reprendre. Remet vers Temple de la droite. Temple qui s'avance, un tir. L'arrêt de la part de Lasselle. Un arrêt confiant de la part de Lasselle qui était sorti très loin de son filet, Mathieu. Et là, maintenant, c'est Clark qui s'amène, traverse la ligne bleue. Clark va renvoyer en profondeur derrière le filet à l'intention de Bibeau. Bibeau qui lutte avec Julien Bonnet, qui a compté le quatrième but des siens. On renvoie contre la bande. Dolinsky qui saisit à la ligne bleue. Un tir de Dolinsky qui va être dévié avant de se retrouver sur le filet protecteur. Pour revenir à William Lasselle et son arrêt, Mathieu, rare qu'on voit des joueurs aussi jeunes. Il ne faut quand même pas oublier que les joueurs sur la patinoire, c'est des jeunes de 15, 16 ans. Certains, je suis certain, même ce week-end, qu'on aura la chance de voir des joueurs de 14 ans également sur la patinoire. Et c'est un jeu très mature de la part de William Lasselle de s'avancer dans son filet. Alors qu'il a reconnu qu'il n'y avait réellement qu'une seule option, équipe manitobaine, sur la transition. En entrée de territoire, c'est Gros. Gros, une bonne feinte, un tir du revers qui va être dévié. Repris dans le coin de la patinoire par l'équipe Québec. On renvoie dans l'enclave. Tente un tir, ça se transforme en passe entre les deux cercles de mise au jeu. Disque libre qui va être saisi dans le coin de la patinoire par Desmarais. Desmarais renvoie à la ligne bleue. Un tir de loin, ça va être bloqué devant la cage de Perrault. Clark qui saisit le retour. On s'aventure à deux contre deux, les renforts qui arrivent derrière. Clark, qui en entrée de zone, s'est fait légèrement devancer par son coéquipier Colton Worthington. Et on reprendra en zone neutre. Watson avec la rondelle. Watson qui va céder derrière. Ce sera un repris par Jonathan Prudhomme. On renvoie en zone neutre. C'est une passe à l'intention du Veilleux. Ça ne trouve pas preneur. Manitoba qui s'occupe du dégagement. Derrière le filet, Prudhomme. Tente d'envoyer vers Watson. Watson qui saisit. Bonne pression de la part du Manitoba sur l'échec avant. Watson se doit d'envoyer contre la bande. Dolinsky derrière pour Odot. Odot qui s'avance, tente une passe, mais va trébucher sur le geste. La rondelle qui va être reprise sur les longs de la bande par Flanagan. Flanagan, une passe du revers, une belle passe à l'intention de Veilleux qui s'avène. Veilleux, un tir, ça dévie. Le disque toujours libre sera saisi de justesse entre les deux jambières du gardien. Sur le bâton, de Reese Gold. Il se trouve
Une très bonne présence d'esprit également de la part de Rhys Gall de rabattre le disque contre la jambière de son gardien et éviter un long retour alors qu'on s'amenait dangereusement sur le flanc gauche. Mais surtout, quelle passe de la part de Flanagan le long de la rampe sur ce dernier jeu alors que la contre-attaque s'amène. Papakene qui renvoie de l'autre côté. Papanekis dans le coin de la patinoire. Sa passe qui va être bloquée, repris par Gower à la ligne bleue. Gower renvoie le dégagement en profondeur. Oli Chénier qui va reprendre, mais devant le filet, le tir! Oh, un arrêt incroyable de la part de William Lassell qui effectue un bon déplacement sur la séquence. On s'amène de l'autre côté maintenant. La passe en retrait à l'intention de Caleb Desnoyers qui va échapper le disque. Carrier qui va reprendre sur un deuxième effort. Carrier en entrée de territoire tente de se faufiler à travers la défensive du Manitoba. Ça a presque été réussi, mais une dernière intervention de la part de Aiden Collins réussit à rejeter plus loin. Huang remet à sa gauche. Benjamin Amiot tente de rejoindre son coéquipier, mais la rondelle qui va dévier rejoindre Huang derrière. Vers Lecomte à la droite. Lecomte en entrée de territoire. Renvoie un disque en profondeur. Ça va être bloqué le long de la bande et ressaisi par le Manitoba. Temple qui s'amène à la gauche. Temple, une feinte en entrée de zone. Toujours avec la rondelle, la passe du revers. Ça va être ressaisi dans le coin de la patinoire par Graham Jones. De retour à la ligne bleue. Un tir de loin. C'est dévié. Le disque libre. On ne peut en profiter. Martin derrière le filet. Le carrousel. L'arrêt de la part de la jambière. Le disque. Encore une fois. Un tir manqué. Alors qu'on va reprendre sur la palette de Temple dans le coin de la patinoire. Temple s'amène dans l'enclave. Une passe devant et ça va être repris par Fisher après la déviation. Équipe Québec maintenant qui s'amène. C'est Lecomte à la droite. Lecomte dans le coin de la patinoire. Prend son temps avant de rejoindre son coéquipier devant le filet. Ricard vers Tremblay. Tremblay renvoie en profondeur à l'intention de Lecomte. Lecomte, un bon jeu le long de la bande. Envoie les deux cercles de mise au jeu. L'emprunt tente une passe du revers. Ça va être repris par Manitoba qui fait un dégagement. Saisi par équipe Québec au centre de la patinoire. Un dégagement. Peyton Kettles renvoie contre la bande. C'est saisi par l'emprunt qui s'occupe d'un dégagement qui va être repris par Fisher. En zone neutre, Tremblay. 7 derrière. Prudhomme avec le disque. Renvoie à la gauche à l'intention de Jordan Labelle. Une passe au centre de la patinoire. L'emprunt, un tir. Ça va être bloqué. L'emprunt, un deuxième tir. Celui-ci qui fend l'air. Gros vers Labelle, un tir qui va être rejeté du bouclier. Et ça va être ressaisi par Peyton Kettles qui renvoie en hauteur. Disque en zone neutre. Watson qui cherche le disque pour l'équipe québécoise. En entrée de territoire, va perdre contrôle de la rondelle. Et on s'amène à deux contre un de l'autre côté. Un tir qui fend complètement l'air. On tente le carrousel, la passe dans l'enclave. C'est ressaisi, un tir de Papanekis qui rate la cible. Derrière le filet maintenant, Oli Chénier avec la rondelle. Chénier renvoie vers Dolinsky. Une passe à la droite. De retour vers Chénier qui ne peut capter le disque. Chénier à la hauteur du cercle de mise au jeu, renvoie derrière le filet. De retour vers Chénier. Chénier à Dolinsky à la ligne bleue. Dolinsky, un tir qui va être dévié devant la cage de la selle et ressaisi par ses coéquipiers devant. On remet vers la droite. Labelle en entrée de zone. Labelle, un tir et le but! Jordan Labelle qui a visé juste. Et c'est 5-2 pour le Québec. Et ce n'est pas terminé, un tir et un bon arrêt de la part de Justin Perreault sur la séquence. On est presque venu en compter un deuxième. On aperçoit l'écran, le trio vient de marquer un but. Le trio qui est haut en offensivement, aussi défensivement, le trio qui adore travailler les coins de patinoire. Flanagan qui a tenté de faire dévier en territoire offensif. L'idée était bonne. Un manque de communication peut-être avec Philippe Veilleux sur la séquence.
Bonnet avec le disque. Renvoi contre la bande. Veilleux qui va reprendre. Tente de rejoindre Flanagan. Ça va être dévié sur un joueur du Manitoba qui repousse de l'autre côté. Matthew Gard avec la rondelle. Face à Wang dans le coin de la patinoire. Wang réussit à rejoindre Julien Bonnet avec la passe. Bonnet devant pour Veilleux. Centre de la patinoire maintenant Alex Wang vers Lecomte. Lecomte qui s'avance. Cède à la gauche et ce sera un revirement. Gard qui va reprendre une passe en zone neutre, heureusement repoussée par la défensive québécoise. Julien Bonnet qui était au bon endroit au bon moment. Et maintenant, c'est Alex Wang avec le disque. Une longue passe à l'intention du capitaine ne peut être captée. Ça va permettre à Gower de ressaisir. 1:23 à faire à la deuxième période de jeu. Jones s'avance en territoire offensif. Applique les freins en entrée de zone. Jones remet une rondelle dans l'enclave vers Temple qui ne peut terminer le jeu. Veilleux maintenant qui s'avance à 2-1. Veilleux dans le cercle de mise au jeu. Un tir qui rate la cible. Sera dégagé en zone neutre par l'équipe manitobaine. Tremblay qui va reprendre dans sa propre zone. Renvoi vers Carrier qui fait dévier en profondeur. À sa sortie de filet, Justin Perrault qui va céder le disque à son défenseur. C'est repris derrière le filet par Guité. Renvoie dans l'enclave, un tir qui va être saisi par l'équipe manitobaine. 43 secondes à faire à la période. On s'amène sur le flanc droit, un tir de la part de Owen Martin qui se retrouve de l'autre côté. À la ligne bleue maintenant. Tate Delinsky qui croyait avoir tenu le disque en territoire offensif. Et on appelle le hors-jeu là-dessus et j'aimerais revoir cette séquence, Mathieu. Oli Chénier qui va reprendre et remettre vers Tate Delinsky. Delinsky remet à la droite pour Gault. 16 secondes à faire à la deuxième période de jeu. Peut-être une dernière chance pour les deux équipes. Papanekis qui s'amène. Papanekis ne peut générer une chance. Son coéquipier derrière Chénier reprend un tir. Oh, on teste la plomberie. C'est la barre transversale. Le disque libre devant le filet qui va se faire repousser jusqu'en zone neutre. Et là, voilà la chance qu'on avait besoin du côté de l'équipe manitobaine. Mais on a pu en profiter, Mathieu. Cette période qui est complètement bleue alors que là, les esprits s'échauffent devant le banc de l'équipe de Manitoba. C'est Oli Chénier même qui a déposé les gants sur la patinoire, je crois, Mathieu. Absolument. Et on parlait de répliques entre la première et la deuxième période, Mathieu. Eh bien, on va avoir besoin de répliques de la part de l'équipe du Manitoba. Et on aurait pu en avoir une juste ici, mais ping! La barre transversale du filet de William Lasselle qui dit non catégoriquement à Papanekis. Il aura peut-être une chance dans la troisième période de jeu. Restez des nôtres alors que ce match Québec-Manitoba se continue dans quelques instants. Ici, du côté de Charlottetown, la marque après 40 minutes de hockey est le 5-2 en faveur d'équipe Québec.
Et de retour du côté de Charlottetown pour la division des Jeux d'hiver du Canada 2023. Alors que ce soir, l'équipe Québec fait face à l'équipe Manitoba. Mathieu, après deux périodes de jeu, le pointage qui est de 5-2 en faveur de l'équipe québécoise. Toutefois, la troisième période qui débute à désavantage numérique pour la troupe francophone. Et ça va prendre quoi du côté de l'équipe Manitoba pour se ramener dans le match, Mathieu? Et bonne troisième période à tous, alors que l'action vient tout juste de débuter. C'est Graham Jones avec le disque en entrée de territoire. Graham Jones qui se fait retirer la rondelle. Carrément un bon jeu de la part d'Olivier Lampron qui réussit le dégagement de l'autre côté. Martin qui va reprendre. Un revirement. Ricard, un tir qui rate la cible à la droite. Oh, c'est une réelle bourde de la part de l'équipe manitobaine. Et ça se poursuit alors que Ricard est en contrôle du disque en territoire offensif. Il réussit à écouler de précieuses secondes alors que Cason Fisher va reprendre. Remet vers Martin à la droite, vers Temple maintenant à la gauche. De retour vers Fisher derrière. 1-24 à faire à la supériorité numérique. Martin, la passe de l'autre côté. Temple en entrée de territoire. Un tir de Temple et le but! Cole Temple! Quel lancé! Et c'est 5-3. Mise au jeu qui sera remportée par l'équipe Québec qui cherchera une riposte sur la prochaine séquence. Desnoyers renvoie devant le filet. Le disque de retour vers Desnoyers qui s'avance. Ne peut capter. On se retrouve en zone neutre maintenant sur la palette de Bonnet. Bonnet remet à la droite. Un dégagement de la part de Nathan Watson qui va être refusé sur la séquence. On ira se rencontrer dans le cercle de mise au jeu à la droite de William Lasselle sur la séquence. Oli Chénier dans le cercle de mise au jeu qui s'avoue vaincu. Et Oli Chénier, il faut le dire, Mathieu, c'est un joueur offensif, oui, mais c'est également un joueur qui n'a pas peur d'utiliser son physique. Et on le voit dans ses minutes de punition. Quand même, en 33 matchs joués, 60 points et 62 minutes de punition. On se donne les allures de Gordie Howe sur la patinoire, ce Chénier. Alors que Graham Jones s'amène dans le cercle de mise au jeu à la gauche du gardien. Mise au jeu qui va être remportée par Lecomte face à Jones. Saisi toutefois par Martin derrière le filet. Manitoba en contrôle de la rondelle. C'est Graham Jones le long de la bande. Toujours Jones dans le cercle de mise au jeu, rejoint vers Temple maintenant. Temple et Jones qui luttent ensemble pour la rondelle dans le coin de la patinoire. Temple qui reprend. Tente de remettre à la ligne bleue vers Kettles, mais Temple qui conserve. Temple toujours derrière le filet maintenant. À la droite du gardien. Surveillé sur la séquence par Nathan Lecomte qui réussit à lui tirer la rondelle. Et c'est Philippe Veilleux maintenant qui s'amène au centre de la patinoire. Veilleux, son dégagement sera ressaisi par Martin alors qu'on a un hors-jeu à retardement sur la séquence.
Cason Fisher à la droite vers Kettles. Kettles qui remet en entrée de territoire. Temple qui s'amène. Temple, le tir, la passe et le but! Et c'est la patience de l'équipe du Manitoba qui vient redonner de la vie, non seulement à l'équipe, mais à la foule du côté de l'Arena McLaughlin. Là, attention, l'équipe québécoise qui joue avec le dos à côté sur le mur, Mathieu, va protéger une avance d'un seul but face à une équipe qui a certainement beaucoup d'énergie en ce début de période. Tate Delinsky renvoie contre la rampe. Papanekis renvoie de l'autre côté. Ricard qui lutte pour l'obtention de la rondelle près de la ligne bleue. Remet à son coéquipier, on s'amène à deux contre un, la passe, le tir! On rate la cible sur la séquence! Chénier dans le coin de la patinoire qui va relancer devant et c'est Ricard qui va ressaisir. Le long de la ligne bleue maintenant. On rejette en profondeur. Reese Gault qui renvoie devant. Interception de la part de Lampron. Lampron qui s'avance. La passe de l'autre côté à l'intention de Olivier Groulx. Un tir, l'arrêt réalisé par Perrault. La séquence qui se poursuit à la ligne bleue. On remet vers la gauche. C'est Amiot avec une longue rondelle. On voulait la déviation, ça a raté la cible. Olivier Groulx avec le disque. Rejoint Wang à la ligne bleue. Wang, la passe vers Labelle. Pardon, c'est plutôt Olivier Groulx vers Amiot de l'autre côté. Interception de la part de Lajoie. Dégagement de la part de Lajoie. Il se sera saisi par Alex Wang. Wang renvoie devant lui à l'intention de démarrer. Démarrer en entrée de zone. Des renforts à sa gauche. Derrière le filet, maintenant démarrer. Bien surveillé sur la séquence par Ryan Grower. Et maintenant, c'est la contre-attaque. Hamelin qui rejoint Garde devant. Garde qui s'avance devant le filet à l'intention du numéro 18. Hamelin qui n'a pu capter la rondelle. Dans le coin de la patinoire, maintenant, Odot. Va faire face à Labelle. Desmarais qui va réussir à se détacher, à repousser le disque en profondeur, alors qu'on amènera un changement au banc du Québec. 15-56 à faire à la troisième période de jeu. Collins, la longue passe vers Hamelin, la rondelle qui défèle derrière le filet, c'est Prudhomme qui va saisir. Prudhomme renvoie contre la bande. Guité au centre de la patinoire maintenant, en entrée de territoire. Guité avec Carrier, dénoyé à sa gauche. Guité devant le filet, un tir. L'arrêt de la part de Justin Perrault et la séquence qui se poursuit à sa gauche. Contre-attaque de la part du Manitoba. Hamelin au centre de la patinoire, traverse la ligne bleue, un tir de loin d'Hamelin. Ce sera saisi par la mitaine. De la selle qui ne donne pas de retour à 15-24 à faire à la troisième période. Ethan Bibeau qui s'avoue vaincu dans le cercle de mise au jeu va d'un deuxième effort contre la bande pour renvoyer la rondelle en profondeur. Ce sera saisi par Wang derrière son filet. Tente de rejoindre Guité contre la bande, c'est réussi maintenant pour dénoyer. Dénoyer du revers à l'intention de Carrier qui aurait pu s'échapper, une passe qui manque légèrement de précision. Justin Perrault qui va reprendre derrière son filet. Renvoi contre la rampe, Amiot qui va reprendre. À la droite pour Wang. Wang dans le cercle de mise au jeu maintenant, un tir et le but! Et c'est Anthony Flanagan qui déjoue le gardien du Manitoba entre les jambières. Et la marque qui est maintenant de 6-4. Thank you.
Et encore une fois, le mot « réplique » résume le mieux ce match, Mathieu. Alors que l'équipe québécoise réussit à trouver un moyen de répondre à l'offensive manitobaine. Les ardeurs de la foule qui se sont également un peu calmées. Une autre chance, un tir, un arrêt partiel sur la séquence. Et la rondelle qui va déferler jusqu'en zone neutre. Wang qui va reprendre, remet vers Amio à sa gauche. Amio, dégagement en hauteur à l'intention de Ricard qui ne peut saisir. Disque en zone neutre, repris par Wang vers Lampron. Lampron rejette en zone neutre et le disque qui va retourner en défensive sur la palette de Tate Delinsky. Delinsky en entrée de territoire, un tir qui rate la cible à la droite du gardien. Temple qui va reprendre un autre tir. L'arrêt, cette fois, de le réaliser de la part de la selle. Ce sera ressaisi par le Manitoba le long de la bande. Disque qui va rebondir jusqu'à Alex Wang. Il doit faire la passe devant lui. Veilleux, 7 derrière. C'est toujours Amio avec la rondelle. Renvoi devant pour Veilleux. À la gauche pour Desnoyers. Centre de la patinoire, Desnoyers qui accélère. Tente de rejoindre Flanagan à la gauche et la rondelle qui va être déviée par Delinsky. Delinsky renvoie contre la bande. Desnoyers qui réussit à saisir. Rejoint Flanagan. Flanagan. Sa passe à la ligne bleue sera déviée et on va devoir faire demi-tour du côté de Bonnet qui va aller chercher cette rondelle en territoire défensif. Remet devant vers Veilleux. Disque qui rebondit vers Bonnet derrière à nouveau. Bonnet, sa passe interceptée par Collins vers Lajoie. Lajoie renvoie en croisée en entrée de territoire à l'intention de Papanekis. Papanekis derrière le filet vers son coéquipier Lajoie qui ne peut saisir la rondelle. Lajoie va d'un deuxième effort contre la bande, mais c'est tout de même passé alors que Caleb Desloignés, le capitaine, réussit à rejoindre sur le côté droit Louis-Alex Tremblay. Ça mène devant le filet. Louis-Alex Tremblay qui ne peut décocher un bon tir. Il était entouré de dossards noirs. Et la contre-attaque maintenant qui s'amène sur la palette de Lajoie. Lajoie se fait rabattre par Prudhomme. La bonne mise en échec. Maintenant, c'est Desmarais qui renvoie devant vers Tremblay. Tremblay derrière le filet à l'intention de Prudhomme. De retour vers Tremblay de l'autre côté. Tremblay vers Prudhomme à la gauche. Renvoie en hauteur en entrée de zone à l'intention de Labelle. C'est Gros qui va saisir devant vers Desmarais. Desmarais qui s'avance. Dans le coin de la patinoire, n'a pu décocher un tir. Rejoint par deux dossards noirs dans le coin de la patinoire. Vers Prudhomme à la ligne bleue. Prudhomme, ça passe à la gauche vers Gros. Gros qui s'avance, tente un tir, se fait soulever le bâton. Et maintenant, c'est Colton Worthington qui remet devant. Jack Clark perd contrôle du disque en zone neutre. Desmarais va reprendre. Et punition sur la séquence. On sera chassé du côté du Québec. Et en voilà une autre chance à l'avantage numérique pour l'équipe du Manitoba. Jason Fisher au centre de la patinoire, 7 derrière à l'intention d'Owen Martin. En entrée de territoire, Martin à la droite. Temps de déborder Amio. Martin toujours avec la rondelle à la ligne bleue vers Fisher maintenant. De retour vers Martin. Martin surveillé par Olivier Lampron. Dans le coin de la patinoire, Martin fait un bon travail avec le contrôle de rondelle. Personne ne peut lui enlever le disque. Va remettre vers Lajoie derrière le filet. Tente de rejoindre Cole Temple maintenant contre la bande. De retour vers Lajoie. Lajoie, ça passe dans l'enclave, ça va être dévié. Temple contre la bande. Dans le cercle de mise au jeu, un tir de Temple, ça va être bloqué. Ressaisi par Fisher à la ligne bleue. Remet devant vers Temple. Dans le coin de la patinoire, Temple demi-tour, surveillé par Wang. Retour vers Fisher à la ligne bleue. À la droite pour Martin. Martin qui s'avance, 7 derrière vers Fisher. Un tir de Fisher, l'arrêt de la jambière. Et ce sera saisi par Temple dans le coin de la patinoire. Temple vers Martin qui s'avance, un tir! Oh! Frappe le poteau encore une fois! William Lasselle, qui pour une troisième fois ce soir se fait sauver par sa plomberie. Martin, un dégagement dans le coin de la patinoire. La rondelle qui revient jusqu'à Fisher à la droite pour Martin. Et on aura un hors-jeu sur la séquence de justesse, Mathieu, mais tout de même, alors qu'on reprendra en zone neutre. Thank you.
Oli Chénier remporte la mise au jeu. Guard. Une passe derrière à l'intention de Gault qui ne peut capter. Va lui-même aller chercher le disque avant de remettre vers Kettles. Kettles vers Gault de l'autre côté. Reese Gault cède vers Kettles à nouveau. Le capitaine de son équipe au centre de la patinoire va ensuite remettre derrière vers Chénier. Chénier en entrée de territoire sur la gauche. Et je crois qu'on aura un hors-jeu là-dessus, Mathieu. L'appel est venu très tard sur la séquence avec 7 secondes à faire à l'avantage numérique du Manitoba. Chénier renvoie devant l'entrée de territoire, c'est Papanekis. Papanekis derrière le filet, rejoint Matthew Guard. Il a un dégagement qui sera réussi de la part de l'équipe québécoise, un dégagement qui sera bien sûr refusé. Donc Reese Gault s'amenait vers la rondelle et avec 9.47, on reprendra aux côtés de William Lasselle. Ethan Bibeau qui remporte la mise au jeu. Collins renvoie en profondeur à l'intention de Bibeau derrière le filet. Ce dernier ne peut saisir. C'est Lecomte qui va s'en occuper pour le Québec. Lecomte, une passe en hauteur vers Desnoyers qui s'avance. À deux contre un avec Carrier. La passe vers Carrier qui rate la cible complètement. Et Carrier qui va devoir reprendre contre la bande. Renvoie dans le cercle de mise au jeu. À la recherche de la passe latérale, ça va être dévié. Prudhomme qui va saisir. Un tir de Prudhomme. L'arrêt, le retour saisi. Easton Audet qui renvoie à la ligne bleue. En zone neutre maintenant, un dégagement réussi de la part de Max Hamelin. Desnoyers renvoie derrière. Prudhomme de l'autre côté. L'intention de Wong. C'est plutôt Tremblay, pardon, qui remet devant. Il a un long dégagement de la part de l'équipe québécoise qui sera saisie par le Manitoba dans leur propre territoire. Gower. La passe vers Martin en entrée de zone. Martin qui s'amène. Une option devant le filet. La passe à l'intention de Tambell qui n'a pu dévier la rondelle à temps. Flanagan maintenant. Une passe contre la rampe. Veilleux qui va faire dévier en profondeur. Ce sera saisi par Tate Delinsky. Delinsky derrière son propre gardien se fait plaquer le long de la bande. Delinsky réussit la passe à l'intention de Jones. Jones, un revirement veilleux qui reprend un tir. Le retour sera saisi par l'équipe du Manitoba. Et c'est la contre-attaque à 3 contre 3. Temple qui s'avance. Temple tente la feinte. Prudhomme, une intervention, réussit à rejeter le disque. Un tir de la ligne bleue, ce sera bloqué. C'est la course à l'obtention de la rondelle. Ce sera saisi par Flanagan qui était épuisé sur la séquence, Mathieu. Tout de même, on réussit à sécuriser la rondelle en territoire offensif du côté du Québec. Lecomte dans le coin de la patinoire, alors qu'on appelle des changements bien mérités au banc québécois. Gould qui va saisir pour le Manitoba, renvoie vers Delinsky. 7.50 à faire à la troisième période. Delinsky renvoie de l'autre côté un dégagement en zone neutre qui se transforme en passe à son coéquipier. Graham Jones qui s'occupe du dégagement maintenant et on effectuera des changements au banc du Manitoba. Des unités fraîches des deux côtés sur la patinoire. Amiot. À la droite, on tente de rejoindre Lecomte au centre de la patinoire. Chénier, un jeu physique, réussit à reprendre le disque. Kettles maintenant. Kettles renvoie l'intention de Lajoie vers Chénier qui s'avance. Chénier ne peut saisir le disque correctement. Une bonne intervention défensive de la part de Wang sur la séquence. Derrière le filet, c'est Jet Lajoie. Lajoie qui va perdre patin avant d'essayer de tenter la passe à la ligne bleue. Ça va être dévié. Lecomte qui va reprendre. Chénier maintenant derrière le filet. Sa passe bloquée. Chénier qui conserve contrôle. Dans le cercle de mise aux œufs. Chénier contre la bande. Renvoie derrière le filet à l'intention de Lajoie vers Papanekis. Tente le carrousel. Le tir qui va être dévié. Repris par l'équipe Québec qui effectue un dégagement en hauteur. Et on va devoir rebrousser chemin du côté du Manitoba. Des changements au banc du Québec. Kettles renvoie vers Chénier qui s'occupe d'un dégagement. Et ce sera au tour de la troupe de Terrace McEwen d'amener des changements. Bagarre contre la bande.
Au centre de la patinoire, c'est Kaysen Fisher. Renvoie devant pour Papanekis. Va repousser en territoire offensif. Nathan Watson qui va reprendre. Remet vers Carrier à la gauche. Carrier qui repousse vers lui-même. Audet qui va ressaisir. Remettre en zone neutre. Une bonne mise en échec de la part de Guité. Et Guité qui ne peut conserver la rondelle en territoire offensif. C'est Bonnet qui va reprendre en zone neutre. Dégagement de la part de Bonnet. Dénoigné et Carrier qui s'amène vers le disque en échec avant. Carrier applique la mise en échec derrière le filet. Ce n'est pas assez pour prendre contrôle du disque. Matthew Gard qui va s'occuper de la passe devant à l'intention d'Hamelin. Hamelin qui s'avance. La passe à la droite à l'intention de Audet. Son tir qui va être dévié avant de se retrouver le long de la rampe à la gauche du gardien. Un autre tir d'un angle restreint. Celui-ci rate largement la cible. Ryan Grower va remettre derrière le filet à l'intention de Max Hamelin. Hamelin à la ligne bleue maintenant. Collins. Gard. Collins. En zone neutre maintenant, hors-jeu à retardement sur la séquence. Quelques joueurs entremêlés pour l'obtention du 10, des bonnes mises en échec sur la séquence. Hamelin reprend la rondelle, un long dégagement. Ce sera repris par Nathan Watson à la droite de son gardien. Watson qui échappe la rondelle. On remet en profondeur. Max Hamelin qui s'amène vers le disque. 5-11 à faire à la troisième période. Le temps commence lentement à devenir le pire ennemi de l'équipe du Manitoba qui tire de l'arrière. 6-4. Guité va renvoyer la rondelle en profondeur. Et c'est Gard qui va reprendre avec un dégagement. Lasselle renvoie vers Labelle. Un dégagement en zone neutre qui sera repris par Gault. Gault devant pour Temple. Temple qui s'avance dans le cercle de mise au jeu, ne peut capter le disque correctement. Et ça va être Labelle qui va reprendre au centre de la patinoire. Labelle qui s'amène avec des renforts à sa gauche. Labelle en cercle de mise au jeu. Tire, ce sera bloqué. Repris par Tate Dolinsky. S'occupe d'un dégagement qui sera intercepté. Un tir de loin de la part de Groulx. L'arrêt réalisé de la part de Justin Perrault. Et on prendra à ses côtés avec 4-31 à faire à la troisième période. Mise au jeu remportée par le Manitoba. Martin, une passe en croisée. Jones qui s'amène vers le disque. Et les deux joueurs des deux équipes ne veulent pas toucher à la rondelle. Alors qu'un sifflet était inévitable après qu'on ait touché avec le disque trop haut avec le bâton. Et on reprendra tout simplement en territoire neutre. Mise au jeu remportée par le Québec. Lasselle renvoie derrière son filet. C'est Watson qui va saisir. Nathan Watson qui renvoie devant un long dégagement qui sera alloué sur la séquence alors que Ricard tente de récupérer le 10 dans le coin de la patinoire. 4 joueurs qui luttent pour l'obtention de la rondelle. Toujours Lecomte qui fait face à Chénier. Renvoie la rondelle devant contre la rampe. Et Lecomte finalement qui va réussir la passe du revers à l'intention de Ricard. Disque entre les deux cercles de mise au jeu. Ce sera ressaisi par le Manitoba qui renvoie en zone neutre. Avec la rondelle, Aiden Papanekis s'occupe d'un dégagement. Lasselle renvoie à sa gauche. Julien Bonnet avec le disque derrière son filet. Renvoie devant. Olivier Lampron avec la rondelle. Tente un dégagement, ça va être ressaisi par le Manitoba. Un mauvais changement au Québec. La joie qui s'amène. Papanekis, un tir. L'arrêt de la part du plastron de William Lasselle. Et on reprendra à ses côtés. Je ne serais pas surpris de voir Justin Perrault rester au banc des siens, Mathieu, avec un peu plus que 3 minutes à faire à cette troisième période. Du moins, si la mise au jeu est remportée, je ne serais pas surpris de le voir courir le plus vite possible jusqu'à son banc. Courir et patiner. Avoir un sixième attaquant sur la patinoire. L'équipe de Manitoba est
Une manœuvre risquée pour le Manitoba, surtout dans ce genre de tournoi, Mathieu, où les buts pour et buts contre comptent beaucoup plus qu'ailleurs au résultat final. Mais tout de même, un risque qui vaut la peine d'être pris avec des joueurs comme on a tout de suite sur la patinoire. Temple avec la rondelle rejoint Fisher à la ligne bleue. De retour vers Temple, dans le cercle de mise au jeu, s'avance un tir, l'arrêt de la part de la selle et le disque qui se retrouve sur le filet protecteur. Et je crois qu'on dit au niveau des officiels qu'on aurait dévié le disque, alors je crois qu'on s'en sort du côté de l'équipe Québec. Et ça, ça aurait fait mal. Cole Temple remporte la mise au jeu. Martin avec un tir qui rate la cible. Le retour de l'autre côté sera saisi par Temple. Temple derrière le filet renvoie dans l'enclave. Le disque qui est libre. Un tir qui va percuter l'extérieur du filet. Chénier rejoint son défenseur à la ligne bleue, de retour vers Chénier. Temple maintenant dans le cercle de mise au jeu. Temple qui s'avance. Un tir qui sera bloqué et va lui-même récupérer dans le coin de la patinoire. Temple renvoie vers Jones derrière le filet. Jones tente de rejoindre Martin dans le coin de la patinoire. Un dégagement qui sera réussi de la part d'équipe Québec. Attention, c'est dénoyé. Fisher qui lutte pour le disque. Fisher qui réussit à repousser la rondelle alors que le filet était désert. Un mauvais revirement. Attention, c'est la chance pour le Québec. Un tir bloqué. Un autre tir qui rate la cible cette fois-ci. Et ce sera Chénier qui va récupérer à la droite de son filet. Cason Fisher. Un dégagement repris par Lecomte. Lecomte remet à la droite. On tente un tir qui fend l'air. Et maintenant, c'est Lajoie qui va reprendre la rondelle en zone neutre. Lajoie qui s'avance sur le flanc droit. Perd contrôle du disque. Wang renvoie sur les contours de la bande. C'est sauvé par Chénier. Un tir bloqué devant le filet. Wang tente un dégagement en plongeon. Même chose pour Lecomte. Les deux ratent la cible. C'est Fisher qui va d'un tir de loin qui rate la cible cette fois. Martin renvoie derrière le filet. La passe de retour vers Martin qui s'avance. Martin dans l'enclave. Le disque est libre. On tente de décocher un tir. Et ça va être repoussé à la gauche du gardien. Un dégagement en zone neutre réussi pour la part d'équipe Québec. Fisher rejoint Chénier derrière. Chénier à Jones en entrée de zone à la droite. Jones fait rejoindre avec une bonne mise en échec. En zone neutre maintenant, Jones doit céder à son capitaine derrière. Kettles avec le disque alors qu'on effectue des changements des deux côtés. La passe vers Lajoie en entrée de zone. Lajoie ne peut capter. Équipe Québec en contrôle de la rondelle en zone neutre. Lajoie repousse en profondeur. Amio qui va saisir. Un tir de loin de la part de l'équipe Québec qui va rater la cible. Et ce sera un dégagement refusé sur la séquence. C'est Ethan Bibeau dans le cercle de mise au jeu. Bibeau qui va s'avouer vaincu. Ça va être repris par équipe Québec. Renvoie la rondelle contre la rampe. Kettles, le capitaine, qui va saisir. Renvoie devant. Max Hamelin renvoie en profondeur. Le disque devant le filet de la selle. Dans le coin de la patinoire maintenant. Vers Kettles à la ligne bleue. Kettles la passe à sa gauche. On s'avance latéralement vers Papanekis. Un tir entre les deux cercles de mise au jeu. Ce sera repris par Kettles. Un autre tir de Kettles qui sera bloqué devant le filet. Un tir qui rate la cible. Papanekis qui reprend le disque à la gauche. Kettles remet vers Guard. Guard qui s'avance. De retour vers Kettles à la ligne bleue. Kettles, un tir, ce sera bloqué. Guard qui reprend le disque libre. Un tir, l'arrêt de la part de la selle. Rondelle toujours libre devant le filet. C'est complètement la cacophonie. Les neuf joueurs sur la patinoire empilés les uns sur les autres et personne ne semble être capable de localiser le disque. Quelle fin de match avec une seconde à faire à la troisième période. Sur la palette, le pro Campbell.
Beauchure défilait là, de tout son long. William Lassalle qui tente plus tard que tôt. 4-10-10. Ouais, l'équipe Québec qui a su riposter à chaque fois que l'équipe Manitoba causait une menace. Une victoire bien méritée également pour William Lassalle qui a su repliquer à 25 des 29 lancés envoyés en sa direction jusqu'à la fin du match. Une soirée un peu plus difficile de l'autre côté pour Justin Perrault. Mais tout de même, une victoire bien méritée pour l'équipe Québec et deux équipes qui... Mathieu, on ne se le cachera pas, pourrait potentiellement se rencontrer en finale à nouveau. Et si c'est une rencontre, encore une fois, finale, justement, extraordinaire. On a vu la première à la troisième période, l'énergie et l'émotion qui étaient démontrées sur la patinoire des deux côtés. C'est en sorte que le match est extraordinaire. Il faut aussi remercier la foule quand même. C'était toute une foule ici à l'Arena McCarthy. C'est en sorte que les joueurs effectuaient le meilleur hockey devant nos yeux. Un deuxième match de la journée, ça ne peut pas aller mieux. On a complété tous les matchs dans ce pool aujourd'hui. Alors, c'est le nouveau point de vue. On est en train de faire ce que c'est toute une bataille. Du hockey exceptionnel. Et ce sera tout qu'un groupe a passé à la prochaine ronde. Et l'action qui se poursuit demain à l'Arena McLaughlin, alors que dès 9h, heure de l'Atlantique, ce sera le Nunavut qui affrontera Terre-Neuve et Labrador. Ce sera suivi par le Manitoba qui affrontera la Saskatchewan. Et ça, c'est un match que j'anticipe, Mathieu. La bataille des prairies. Bref, 4 matchs demain au courant de la journée. Soyez les nôtres. Mais pour nous, ce soir, ce sera tout à mon nom. Pierre Duguay-Boudreau, au nom de mon analyste Mathieu Landry, au nom de l'équipe de diffusion Universum et au nom des Jeux du Canada, on vous souhaite une excellente soirée. Et on se retrouve demain. On vous rappelle la marque finale, 6-4, en faveur de l'équipe Québec.